Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Stav, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Zero. On va présenter les petites maps avec des nouvelles cultures dessus, c'est sympa. C'est parti, juste après l'intro. Donc les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis avec Zero, salut. Salut à toi, salut tout le monde. Comment vas-tu? Ça va très bien avec toi. Ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on est pour une découverte de map. Une map que Zero m'a dit de que je devais présenter. Enfin là je voulais présenter une map en vidéo, mais il m'a dit présente celle-là, elle est vraiment stylée. Zero a fait une vidéo sur sa chaîne, du coup on va vous montrer cette map. À ce qui paraît elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien, vraiment. Il y a pas mal de nouvelles, il y a des nouvelles cultures, il y a plein de trucs. Regardez-moi ce panneau énorme les gars. Explique-moi. Attends mais oh, alors, en fait il y a tellement de choses qu'on peut faire. On va vous expliquer quelque chose. Donc avant on va juste débuter 2-3 minutes. C'est un... Donc en fait comment dire, là c'est une map normalement allemande ou américaine. Ouais elle est allemande. Allemande, et là elle est traduite. C'est un pote d'un gars que je connais qui a traduit la map en français. Il y a du tabac. Oui il y a du tabac. Donc, mais attends mec, on peut faire du tabac sur la map. Oui attends Stavio, calme-toi Stavio. Oui, cigarette. Oh trop stylé, vas-y. Non, il y aura la chaîne en fait, donc la map pour installer la map, ça sera sur le site de Stervio. Il y a la chaîne de Twitch de Zimbabwe en description et la chaîne YouTube de Chris les gars. Donc Zimbabwe c'est lui qui a... Zimbabwe, là c'est marrant. C'est lui qui a traduit la map en français, donc tout sera en description si vous voulez vous abonner. Ouais je mettrai tout en description les gars, voilà. Pas de problème. Alors les gars ici, alors on y a la ferme, donc une grande ferme et beaucoup de détails. Mais ouais elle est vraiment stylée la ferme, la map est même, c'est une grande map j'ai l'impression. Regardez moi regardez le PDA, la map est vraiment grande j'ai l'impression. On va se dépêcher parce qu'il faut tout faire voir franchement. Ouais voilà. Si on veut faire tout voir. Alors ici on a vraiment un gros panneau avec toutes les céréales et toutes les cultures qu'on peut avoir. Ouais. Ok. Donc là il y a le blé, l'orge, le colza, tout normal. Et là on peut voir qu'on peut déjà faire les carottes et les oignons déjà. La salade, du houblon, mais du tabac, du houblon, triticale. Au pire au montage si je peux, enfin je pense pas mais peut-être que si j'ai le temps je mettrai ce que c'est. La laitue, houblon, épeautre, chou rouge, chou blanc. Enfin des gâteaux, de la bière, du pain, de la farine, du jus, des cerises, des prunes, de l'huile. Les gars, si vous m'explosez la barre de like, je pense que je vous ferai des trucs comme ça. Du coleslaw. Je connais ça. Au self à la cantine on a ça, c'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde. Oh mec. Des crics, mais les gars, si vous mettez un petit pouce bleu pour me dire du lait et tout, les gars, on peut faire vraiment plein de trucs sur cette map. Mais du coup, c'est parti, Zero, allez, go. Pourquoi on présente parti. Du coup, la map, juste là. Alors là, franchement, le design qui m'a pas surpris sur cette map, c'est ça, le petit personne qui est là avec le petit. Oh, ouais, c'est joli. Voilà. Ensuite, par contre, ça c'est la personne des FS15. Ça, c'est les personnes des FS15 ou des FS17. Avec cette petite bière. Ah, et news, c'est parti. Quelle marque Ouais, bon, c'est de la merde. Ensuite, du coup. Du coup là voilà, un gros bâtiment franchement. Le bruit des portes qui est pas mal aussi, ok, bruit des portes. Voilà, là-bas un bâtiment juste. Donc ouais, donc ceux qui voudraient télécharger la map c'est en description, y'a pas de problème, ça vous ramènera sur mon site avec le lien officiel bien évidemment, hein, voilà. Ensuite là, un petit bâtiment avec un petit jeteur. On peut ouvrir la... Y'a la lumière ou pas? Non, y'a pas de lumière. Peut-être de nuit. Ouais, peut-être, ouais, bah, ça doit être ça, ouais. Ok, un petit jeteur. Mais c'est un véhicule de base, ok. On se dépêche parce que la map est hyper grande, ça va vous faire voir vraiment toutes les fabriques. Là, le même bâtiment de stockage avec trois tracteurs. Ouais, pareil, tracteur. Les portes sont jolies, hein. Les portes sont jolies en tout cas. Là, y'a des petites lumières que je pense qui risquent de s'allumer aussi le soir, c'est mon avis, hein. Là on a un truc d'Uts cartos, des sacs de semences, et là, ça, ce que Chris m'avait dit là, donc là on peut faire des pommes de terre, des oignons, du chou rouge et du chou blanc, donc là c'est le stockage. Stylé. Ça s'ouvre tout seul. T'as mieux? T'es content? Ah yes. Donc voilà, là c'est bon, là c'est pour vider tout ça, je sais pas, ouais, je pense. Donc là c'est pour vider quoi, les choux et tout, c'est ça? Là c'est chou blans, alors là il... Laitue, betterave, carotte, chou, ok, donc c'est ici qu'on doit sûrement vider les trucs. T'as le bruit des portes quoi. Ok, donc là c'est tout pour vider ça. Ouais c'est ça. On se dépêche, donc là atelier pour réparer votre acteur ou pour les modifier. T'es parti où? Ah ok, l'atelier. Oh mais on peut vraiment... Ouais d'accord, l'atelier, d'accord. On a un moteur qui est accroché. Ok. C'est joli. C'est ta mère le chat. Ok, on a un atelier pareil, ok, stylé. Ouais c'est joli. Oh un chat. Ensuite, donc là les gars franchement ce que j'ai bien aimé c'est la stabu. Une ancienne stabu un peu. Bon, ils mangent de la terre mais... Bah écoute, c'est économique hein. Voilà donc y'a ça, ensuite bon. Ouais ok, bah cette bulle est... On dirait qu'elle est juste... Oula, on dirait qu'elle est juste posée au sol, il n'y a pas de texture bizarre. Bon c'est dommage donc, mais... Là, mais elle est sympa cochons. Aussi. Est-ce qu'on peut ouvrir? Non. Qui sont là. Hein quoi? Et là du coup c'est les moutons si je me trompe pas. Putain mais t'es parti où là? Ah ouais, ok t'es là, ok. Ouais ok du coup moutons. Non là c'est les cochons et les moutons sont là-bas. Voilà. On peut pas ouvrir les portes, petits moutons, cochons... Enfin, oh what? Faut pas rentrer. Bah mec j'arrive pas à rentrer. J'arrive quand même. Il y a un mur.
Ah ouais. Ah, c'est buggy. Bon, ok. Bon, en tout cas, la map pour le moment m'a l'air d'être pas mal. Enfin, par la porte. Bah oui, mais forcément par la porte, bah oui. C'est buggy quoi. C'est ouais, bon, c'est pas grave, ok. Bon, les cochons, donc là, c'est quoi? C'est les cochons, ouais, c'est les cochons ici, ok. Les moutons, ils sont pas loin les moutons. Bah, dites-moi ce que t'en pensais dans les commentaires, ça m'a l'air. Oh, on a un fleuve, c'est quoi ce truc? Attends, avance un petit peu, on va se dépêcher, on va avancer vers là-bas. Bon, ce qu'on fait, au pire, on y va à pied ou en tracteur? Viens en tracteur. Ouais, vas-y, en tracteur. C'est pas la map, gars, c'est un truc banal, voilà. Ok. Bah, écoute, je te suis. Je vais mettre mes petits gyros, on est parti, je prends mon petit ensemble. D'ailleurs ce dot il est sur mon site hein les gars. C'est un petit dot sympa avec lycée et tout, donc pareil tout est sur le site, le landing aussi. Voilà. Bah du coup c'est parti, je suis. Bah c'est vrai que la map est quand même bien, mais c'est quoi ça? Donc les amis, voilà, là il y a ici pour mettre toutes les cultures. Là, on appuie sur le petit bouton qui est juste là. Attends, deux secondes, j'arrive. Clic gauche. Ouais, ok. Et ça ouvre ici, voilà. Oh nice. On a des trucs qui s'affichent. Clic gauche, ok d'accord, on clique ça, ok d'accord. Un petit trigger, donc voilà. Et là en fait on peut faire plus. C'est quoi ça? Là c'est les silos de maïs. Tu m'écrases PD. Ah merde. Raps, tournesol, maïs, malt et des potres. Ok donc la famille des céréales. Oh oui d'accord, non en fait il y a l'engrais semence. Donc je suppose que si on va sous ça, peut-être on peut récupérer. Ah oui attendez. Ah non regardez, en fait les silos, tout est dessous. Et en fait il y a un gros tuyau là qui ramène tout vers là. Donc en gros je suppose que si on va dessous là. En gros si on va dessous, en fait on peut vider n'importe quoi. On peut vider de l'engrais, on peut vider de l'épeautre, du soja, du maïs, tout ça. Et ensuite on va dessous, on fait R et en gros ça y est on choisit ce qu'on veut prendre en fait. Je pense que c'est ça. Et ça c'est pas mal, franchement, bon c'est peut-être pas très réel, mais bon, voilà. Ici c'est l'emplacement livraison, fabrique d'aliments concentrés, ok. Ouais donc voilà, on vite fait et on y va, ça parce que là franchement va falloir charbonner. Paille, ensilage. Oui d'accord, je t'écoute. Attends mais je dis. Ok. Oh, céréales, nourriture, alimentation, c'est quoi tout ça? Ressources, bah peut-être, je sais pas. Oh ouais, d'accord, c'est pour faire des aliments concentrés en fait ici. Bon en fait, je pense que les gars, je ferai un petit live sur cette map. Je pense qu'on peut bien s'éclater sur cette map en live. Franchement, on peut faire vraiment plein de trucs. Dites-nous si vous voulez un live du samedi. Ouais, en commentaire, dites-moi si ça vous dirait une petite vidéo comme ça. Et pour info, on est à 8 minutes de vidéo, Magneto. T'inquiète. Ouais, on n'a pas le temps, un peu le reste, on le fera en live, hein, tout. T'inquiète pas. Ouais, voilà. Donc, ok, d'accord, on fera ça. Donc là, je vais faire vraiment les gros points, les gars. Le point dans ta gueule, surtout. Non, je déconne. Bah, du coup, c'est vrai que c'est joli la map. Bon, les routes sont sympas, c'est des routes normales. Elle est un peu vide, je vous dirais. Niveau de. Enfin. Non, pas niveau fonctionnalité, niveau détail, regarde. Genre, il n'y a pas de panneaux tournés. Voilà, c'est des routes normales, quoi. Bon, allez, ça suffit, hein, ça suffit amplement. La base, du coup, ce pont-là, c'est le point de spawn. Hein. On spawn en regardant cet endroit-là. On spawn à cet endroit. Avec le petit truc, des gros bateaux qui passent. Attends, ouais. Ah, ouais, il y a des bateaux qui passent. Ouais, attends, on va aller au port. Il y a même un port. Donc là, mais on ne voit pas. Viens avec moi. J'arrive. Les gars, là, vas-y, bon, on y va. On va où là? Donc les amis voilà là alors là voilà ce qui voilà ça c'est le houblon normalement ce qu'il m'a dit Chris. C'est le houblon. Là c'est le houblon. Donc vous voyez, il y a plein de trucs et tout et on passe là. C'est les trucs qui fait exprès le houblon. Mais c'est pour les tu sais pour les pommes et tout, c'est les arbres, les pommiers. Ouais et tout. Voilà bah, ouais. C'est ça. Enfin en fait, c'est pour ce qui est les fruits quoi, je crois. Et pour les personnes qui n'ont pas de qui ont pas les le DLC Platinum, oui. On peut faire parce que la... voilà, explique. Parce que inclus dans la map, on a du coup une machine, une Holmer qui doit être, je suppose, pas là. Ah, qui est là, on a une Holmer spéciale pour le cabbage, le red cabbage. Donc ça, c'est quoi? C'est d'être de la salade, de la canne à sucre. On a un truc pour récolter la canne à sucre. On a des trucs pour récolter l'oignon, les patates, les carottes. Oh là là, mais... Oh, voilà, bon, on peut faire de la canne à sucre sans le truc, sans le DLC payant, voilà, simplement. Voilà, en gros, ouais, bro, on peut faire de la canne à sucre, c'est vrai que sans le DLC. C'est un truc pour... bon, ta gueule giant, hein, c'est un... Mais bon, voilà, enfin, bref, c'est pas mal, ok. Mais ça, c'est des... Non, mais en fait, la map, c'est une map d'FS15, hein, regarde, ces bâtiments-là, c'est des bâtiments d'FS15, hein, ou d'FS17. Ouais, d'FS15, je veux dire. Okay. Je me crois sur FS19, quoi. ok, ici, on a un petit peu des... on a une serre. Mais c'est des serres d'FS15, ça. Mais mon mec qui travaille dedans avec le râteau et tout, j'ai pas vu. Là, ça va être la chaux, je suppose, avec soit la chaux ou l'engrais, je sais pas trop ce que c'est. Mais les gars, c'est les trucs d'FS15. Regardez ça là, le truc de lisier. C'est le truc d'FS15, les serres, c'est les serres d'FS15. Ouais, pour moi c'est une map d'FS15 qui a été reconvertie. Mais qui d'ailleurs est vraiment très bien, hein. Elle a été vraiment bien reconvertie. C'est pour ça qu'on retrouve pas non plus tous les détails qu'on connaît sur les maps, les belles maps d'FS17 quoi. Vu que c'est de la reconversion, il est pas, enfin, regardez ça, ce bac là je me rappelle très bien, c'est du FS15, hein, ou du FS13 ou autre chose. Oh bonjour monsieur. Ça va? Ok, je pensais qu'elle allait me parler mais non. Nickel. Bon écoute Zero, je te suis.
On va où? Ouais, du coup, alors attends, on est où là? C'est quand même joué. Mais du coup, c'est quoi cet endroit? C'est bien beau, mais c'est quoi? C'est une sorte de... C'est la jardinerie. La jardinerie. Qu'on avait bien sûr sur FS15, hein, la jardinerie. Ok, et on peut faire quoi dedans? C'est bien beau, ouais, mais... Je sais pas, par contre, je pense... Ah, c'est un des trucs de stockage. Stockage. C'est un petit truc jaune, c'est genre comme les serres et tout. Comme non, les... pas le stockage, tu peux aller vendre des trucs à jardinerie. Ouais. Bah justement, bah jardinerie, qu'est-ce que tu vas vendre? Tu vas vendre ce que t'as récolté Ouais, bah oui, on verra, mais on fera tout ça en live, les gars. C'est vous qui fait. Laissez-moi un petit pouce, j'arrive. C'est comme si c'est ce que je pense, c'est pas synchro, hein, donc. Ah non, il est là, ok, si, si, un bateau. Bah il y en a un autre là. Putain, je vais le voir. Oh nice, vous pensez qu'on peut monter dedans? Il y a plein de céréales dedans. Non. Mais je pensais qu'on pouvait rentrer dedans. Bah mec, vas-y, pousse-moi dans l'eau. Ah non, si je dis plus mon truc. Salut mec. Je pas fait exprès. Je me suis retourné. Je suis retourné dans l'eau. Mais en fait, l'eau est transparente, donc c'est bon. Bah, tu peux plus monter de toute façon. Hein. Fonce-moi. Ah ouais, merde. Bah écoute, on va y aller à pied. On a mon tracteur, tu peux monter à deux, viens. Ça arrive, on peut monter à deux. Je suis pas bien. Putain, elle est trop con. Il fallait bien que ça arrive à moi, ça. Vas-y, j'arrive. Et non, on peut pas. Bah c'est pas grave, mais je te suis à pied. Au pire, ouais, je prends le tracteur et tu me dis. Alors. Petit Landini qui est sur le site d'ailleurs. Allez, vas-y, on y va. Ici, c'est la fabrique de quoi? De Gnocchi. J'arrive, c'est là-bas. Fabrique de Gnocchi. De Gnocchi. Des Gnocchi à poêler. Non, de Gnocchi, c'est marqué. Eh ben, c'est pas un truc de lustre cru, hein. Non. Pas de Gnocchi, c'est italien. Ah bon, c'est pas les petits trucs de merde qu'on... Bon, ok. La même ça... personne là, alors c'est dire. Ah, y'a pas d'herbe, c'est moche. Enfin, si y'a de l'herbe, c'est bizarre. Donc la ici, farine, de l'huile, de la farine. Bah, en gros, ça va être comme sur les maps qu'on sait qu'on télécharge. Souvent, y'a des trucs genre, oh, on fait de l'huile, on fait de ça. Mais là, c'est tout sur une seule map. Des pommes de terre lavées, des palettes d'œufs. Mais les gars, mais c'est... La révolution, c'est quoi ce truc? Franchement, j'ai un... du Gnocchi, mais c'est... Attends, mais je... Ça, je suis obligé d'en faire, des Gnocchi. Ça, je sais pas ce que c'est, mais... Non, c'est Gnocchi. Palette de papier. Bah les gars dans les commentaires si vous savez ce que c'est des Gnocchi. Des Gnocchi. Non c'est Gnocchi. Bon bref, si vous savez dites moi dans les commentaires. Bon les gars. Ouais on se dépêche mais c'est pas mal. Ouais écoutez on va y aller Mais prends pas le tracteur. Je prends pas le tracteur. On va la fabrique de cigarettes. Ah si mec, mais le tabac m'intéresse les gars parce que vu que mon père fait du tabac, est-ce que par exemple je vous invite à aller voir ma vidéo du tabac que j'ai faite, hein, comment se fait la récolte de tabac. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. Alors. Manufacture de cigarettes. Ok, d'accord. Mais c'est le tabac, je sais pas qu'est-ce que... Enfin, j'aimerais bien savoir comment ils ont représenté le tabac. Cigare, on peut faire des cigares. Mais le tabac, c'est une culture, hein, on peut en faire. Ah, bah mec, je fais ce que je vois. Tabac, cigare, ça m'étonne, jamais... Cigarette, information. Ouais, il faut du papier, du tabac. En fait, des papiers, okay. En fait, on peut... Il y a aussi du papier. Donc mais papier, c'est pas la canne à sucre? Non, j'ai pas aucune idée. Non, je pense pas. Ouais. Mais si vous voulez, les gars, que samedi en live, on peut faire plusieurs activités en faisant du papier haut, donc nous en live. Ouais, si ouais, carrément, les gars. Si vous kiffez, peut-être en live, je ferai ça, mais ça pourrait être sympa. Bah écoute, bon, vas-y. Ah, mais moi, c'est. Mais en live, mec, il faut choisir du tabac en live, je te jure, je veux vraiment faire. Regardez, les gars. Là, c'est le port. C'est le port, attends. Ok, le port. Ouais, sympa. Ouah, c'est énorme. Donc là, wow. On a tous les cargos, là, tous les bateaux. Et là, voilà, les petits fleuves et tout. Mais attends, c'est notre taille là. Je vois pas l'échelle que c'est en fait. Il y a un bâtiment comme ça, mais c'est énorme. Je crois que c'était agrandi sur Giant, le truc. C'est pas du tout à l'échelle, mais ok. Et voilà, là il y a vraiment une grue qui prend tous les cargos et tout. Qu'on ne peut pas utiliser. D'ailleurs, justement, il aurait pu mettre la grue d'FS17 qu'on peut utiliser, parce que c'est une map reconvertie d'FS15, je suppose. Mais c'est joli, hein. Les bateaux, on peut sûrement rien faire avec, mais c'est joli. Ok, bah écoute, vas-y, on y va. Il y en a 14 minutes de vidéo, on va se grouiller, il nous reste 5 minutes à peu près. Il y a le biomasse, on s'en fout. on va aller à la carrière. Vas-y. Bah je suis la route cette part là. Voilà, il y a le train qui passe, train d'FS 15 hein. Non même pas. Ah, mais c'est... Non c'est pas le train d'FS 15, ça c'est le train d'FS 13. Wow pour une cour. Bon écoutez, je sais pas. Voilà les gars, ici ça veut dire. J'arrive, t'es où? Oula. Bon elle est énorme cette map. Ok donc c'est en bas. Vous savez que vous allez sûrement pas voir parce que il doit avoir ma tronche la dessus. Carrière, juste là. J'arrive. Bon texture qui bug, on se croirait sur une nouvelle entreprise forestière. Oh, vous avez vu les arbres? What? Je savais pas que c'était comme ça les arbres, genre ils s'orientent en fonction de nous. Et la carrière les gars qui est fonctionnelle hein. J'arrive, je descends. Voilà, qui est fonctionnelle. Attends, donc voilà. Si vous voulez une vidéo TP, n'hésitez pas à nous dire sur cette map. Oh. Ok, c'est bon, je me calme. Oui, j'y arrive, désolé. Du coup, donc je suis là. Je suis où c'est qu'il faut aller. Donc voilà. Donc si vous pas du tout, je suis à Maltaria. C'est quoi Maltaria? Attends, mais j'arrive, mec, je suis à côté. Descends, mec. Là, ok. Oh. Donc voilà. Ici c'est un truc fonctionnel, on peut mettre du carburant, du sable, et en fait voilà, on aura après le truc.
Bah, en vrai, c'est un peu du TP. En fait, il y a de tout sur ça. Il y a du TP, il y a de, vraiment de tout. Bah oui, il y a tout. C'est, quel beau bâtiment, bellement texturé. C'est dégueulasse. Ok, bah, du coup, on a ça. On peut faire quoi du coup? Du sable, c'est ça? Non, on fait là, c'est pas mal le TP. Du coup, il nous faut du sable et du carburant. Ok, et ça, oui, mais ça nous fait quoi à la fin? Je sais pas. Ok, bon, ok. On verra, des gars, on verra. Franchement, on peut faire ça en live ou en vidéo, d'autres vidéos si vous kiffez. Bah écoutez, il y a pas d'autre endroit où c'est qu'aller voir. Et la boulangerie, il y a une boulangerie, il y a une fabrique de gnocchi. Oh, bah, ce que je vais te faire voir. Oh putain, là tu vas bader. Regarde-moi ça. J'arrive. Ouais. Regarde-moi ça. Comme c'est magnifique. Bah ouais. Ouais, c'est beau. Regarde là. Et là, en fait. Pff, c'est vraiment beau, les gars. Franchement. Bon là, l'eau part un peu en couille, mais c'est beau. Et là voilà, regarde là, le petit bar. Attends, ouais, petit bar. Mais c'est beau. Mais en fait, c'est bizarre parce que les textures au sol, c'est de l'herbe normale, quoi. Mais attends, je vais te faire quelque chose d'autre. Ah ouais, d'accord, fais quoi? Bonjour. T'es où? Viens, t'as vu. Oh mec, j'ai vu Non, ok, oui. Viens là, on vas-y. Et là, si je dois avoir quelque chose. Attends, je regarde un peu. Ok, ouais, ok, bon, ok, y'a pas grand chose. Ensuite, t'es où? Viens là. Tu vas me dire, what? Attends, j'arrive. J'arrive. Putain, elle est énorme, ce map. Coke. What? What? C'est quoi? C'est du chou. Ouais. Oh, du petit chou. C'est joli, le chou. Ok. Eh ben, écoutez, nickel. Et là, on va aller à l'hôtel du lac. L'hôtel du lac. Il y a plein de petits bâtiments comme ça qui sont... Et un stade, j'ai pas vu. T'avais pas vu? Oh, il y a un petit stade, ouais. Et regardez-moi ça, les gars. Ah, stylé. On se croyait, tu sais, dans les petits marchés, là, des gens qui s'arrêtent à... avec leur caravane. Et puis les bateaux sont fonctionnels. Est-ce que c'est le même mec que tout à l'heure? Bonjour, bah, oui, je suis pareil. Mais en fait, on est pas au même truc en fait. Ouais, t'inquiète, je regarde ça, je suis au stade là. Ok, petit rond-point. Le stade. Le stade. On peut rien faire dessus? Non, bah, il est dégueulasse, c'est une belle texture. Hein. On adore. Ok, bah vas-y. Je m'entends en tout. En bas. Hôtel du lac. Hôtel du lac. Deux secondes, faut que je m'y fasse. J'arrive, hôtel du lac. Effectivement, il y a un lac, donc ça va, il respecte les trucs. Il y a 10 personnes dedans. Ok, donc. T'es où? Ok. Là, donc attends, mais c'est quoi les... Bon, ils mangent des quoi, des concombres? Oh, les pauvres. Enfin, c'est trop bon les concombres, mais... Ouais, ok, au tête du lac, on a un petit bateau. Ouais, stylé, on a un petit là, bateau. Personne, on a quoi d'autre là? On a bah, un hôtel quoi. Mais on peut rentrer dedans? Non. Non. Ok, ouais. Bah écoute, vas-y, montre-moi les autres trucs importants à regarder. Bah l'avant du lac, on s'en fout. Si c'est au de la gare, on s'en fout. Je vais visiter un petit peu là. Bah, je regarde un petit peu tout ce qu'il y a de beau. Là, on a pareil, on a un petit peu de. Là, les choux, c'est bizarre, voilà la texture violette. Là, on a visité. Ici, on a quoi de beau? Là, on n'est pas allé voir là. Là, c'est quoi? C'est les trucs. Ah, c'est pour vendre les salades. Salade de Artum. En plus, il a été converti en français, ça c'est cool. Franchement, celui qui a fait la map en français, qui l'a reconverti en français, c'est pas mal. Vraiment, merci c'est à lui. De Chris, voilà. Bah voilà, Chris, merci à toi. Zimbabwe. Non, c'est le pote de Chris. C'est Zimbabwe. Vendre des moutons. Ok, on peut vendre des moutons. Là, on a la ville. Avec, on a un petit spa. Ouais, on a un petit spa. On a un petit moulin. Ouais, c'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Ici, on a. Oh! Mec! Quoi? Tu me disais que des fois, tu parlais de ta famille. J'ai retrouvé, mec. Non, je déconne. Mais mec, c'est joli, il y a des petits cochons. Stylé. Bref, écoute, on a fait le tour, hein, je crois. Le reste, on fera sûrement ça en vidéo. On a un petit train ici, on a la police. Dites-nous en commentaire, les gars, si vous voulez des vidéos. Mais même ouais. Mettez-moi un petit commentaire, un petit like si vous kiffez. Et puis on va s'arrêter là parce qu'on est déjà à 19 minutes. Bref, les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez. Oh, c'est quoi ce... Ah, c'est pour faire la bière ici. Oh mec, c'est pour faire la bière, oh la brasserie et tout, oh là. On va s'éclater vers ça les gars. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à me laisser un énorme pouce bleu si vous avez kiffé. Et si vous voulez d'autres vidéos sur cette map, ça me fera vraiment plaisir. À vous de me dire dans les commentaires. C'était Stervio et Zero. Allez, ciao tout le monde les gars. Ciao les gars.